Ayaté contre Ayaté. Mais Ayaté joue avec Ziba. Cette fois-ci, il joue Zraï contre Lekpa. Et... Et c'est parti avec Kayane versus Ayaté, Leifa versus Zai. Alors est-ce qu'Ayaté a bossé le Leifa Masai? On va savoir si c'est ça. Pour l'instant, Ayaté qui continue de donner en release line. C'est parti pour le 6-6-PV. Pas de problème. Pour l'instant, Kayane qui reste à distance. 6-6. Ah, ça passe dans la garde. C'est safe. Pas de problème. Kayane qui continue d'agresser la garde de son adversaire. Ah 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 ah. Ah mais voilà, c'est parti. Ayaté qui prend le coup de dérive et qui passe. Encore le long coup de terre avec le Kayane qui fait le bon moment avec cet auto-evade. Pas de problème, Ayaté qui garde la garde là-dessus, qui prend pas les bloodshots. Et voilà, le West en épée, Brevet avec le psy, mais plus qu'un, 3 derrière. Kayane qui prend le premier round avec le coup magique. Safe, auto-evade, pas de problème. Avec le travail, Ayaté, voilà, il cherche le brevet, un travail, voilà, et le brevet qui a fait le temps d'arriver. Ayaté, ça fait son coup de terre, avec le travail, oh, perfect. Ayaté, qui prend encore un perfect, c'est le boucher pour l'instant. Wow, avec une passe, on n'a rien compris, ouais, sans effet, 3-3-B, ça passe totalement. Ayaté qui nous régale avec son travail, le brevet qui est chargé, c'est passé derrière. Pour l'instant, Kayaté a un petit peu débordé, voilà. Ce marque-crush pour casser la chatte derrière. Kayane avec le double kick, elle ramasse pour bon tout de suite avec le rail. C'est chargé, garde break, Brevet. Et voilà, le West Handicap qui est dans la garde en de l'eau. Oh là là là, Kayane qui sort de revenir avec son West Handicap et Brevet. Très bien joué. Oh, ce fou de crush premier. Sorti de nulle part, Kayane de Rouda 1. Bon, c'est pas tout. Avec. Elle mange une punition directe, ça part en jungle. Kayane, le moulin avec le follow-up. Elle est quand même derrière, elle est quand même derrière. Ça va sans doute faire de route partout. Voilà, Ayaté de route partout. Kayane pour remettre les équipes à égalité. Il va absolument l'emporter dans cette demi-finale. 3 vs 3 sous Calibre Choc. Voilà, pour l'instant, Kayane est perdu. Ayaté qui est passé derrière. Sur TV, il s'approche du mur. Il cherche les vrais nets. Oh là 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 là, c'est un blocage. Ayaté encore en pressing. Bien joué, Kayane avec le A, vrai match, Kayane. Ayaté qui fait, qui pense 3B. Ah quel dommage, elle avait gagné ce round. Est-ce que E-Live Pro Kim aura plus de chance que l'an dernier et pourra sauver sa team? Il doit faire un strike inversé, on encourage Kim. Kim, E-Live Kim, un des meilleurs joueurs du monde de ce calibre. Je vous rappelle qu'il est notamment le champion de Soul Calibur 3, voire bien 4 2006, ça remonte. Hein. Non mais c'est vrai. Hein. Kim, si tu gagnes pas ce match, vous pouvez pas rentrer. Pour gagner, pour rentrer chez toi, tu n'as pas le choix. Alors pour l'instant, dans l'équipe adverse, Saito et le Pantocrator qui prennent le petit-déj. Voilà, qui discutent même data. Ils sont tranquilles, Ayaté qui fait tout le travail.